de monter à la chapelle. Hein ? Petite, Pierrette montait déjà ici avec sa grande sœur. L'eau miraculeuse de la Madone doit lui conserver toute son énergie, car à 86 ans, le sanctuaire est toujours au cœur de ses préoccupations. À bientôt, on prépare la fête pour le 8, ma chérie. Au-delà du 8 septembre, à Pankeratch, on vit avec la Madone au quotidien. Il y a tout un patrimoine à transmettre pour les anciens comme Pierrette qui tiennent à leur petite lourde Corse. Et on essaie de traîner d'abord nos petits-enfants. Vous avez vu là, mes petites nièces qui sont montées. On les investit à faire la quête, à s'occuper, de, voilà, à mettre des guirlandes, à mettre des fleurs et monter faire la dînette à la chapelle. Et voilà, c'est voilà, comme ça. Hein. Pierrette vit à l'année au village dont elle est une des mémoires vivantes. Et les générations suivantes prennent la relève au sanctuaire, les femmes pour les dévotions, les hommes pour l'entretien. Alors, c'était mon vrai, quoi. Bon, ça va, alors. C'est aussi des contentes, les anciens et tout ce qui chauffe. Les jeunes savent bien ce qu'ils reçoivent des figures du village comme Pierrette. Un peu de tout, la foi surtout. Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Eh ben, le labeur, le travail de tous les jours. Après, voilà, hein, nous, on les suit au quotidien. Quand elles ont besoin, on est là. Et puis, voilà, on essaye d'apprendre tous les jours un peu plus sur ce qu'est la Vierge, sur ce qu'est le village, grâce à des personnes âgées comme ça, quoi. Le religieux tient une place à part dans la vie du village et chaque habitant hérite par naissance d'une obligation vis-à-vis du sanctuaire. Aujourd'hui, Pierrette dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a passé la main. Il n'empêche, elle a bien travaillé, car celui qui préside depuis quelques années l'association d'Ia Madone à Di Pankeratch n'est autre que son fils José. Bonjour, ça va mon fils? Oh, hey, t'es arrivé. J'étais dehors. Ça va? Ça va, oui. Pierrette, elle surveille toujours la manœuvre. Je donne un coup d'œil, moi. Toujours le coup d'œil. Pour les enfants, pour tout le monde. Je donne les conseils, ce qu'on peut, ma sœur et moi, quoi. Voilà, on donne les petits conseils. Voilà. Et c'est quoi que vous avez appris de votre maman, justement? Non, pas grand-chose. Je suis un autodidacte, je suis un peu seul. Non, mais il n'y a pas que ma mère, hein. Tous les anciens, comme on dit dans les villages, c'est transmission orale, verbale, visuelle. Il ne reste plus tant d'anciens dans les villages. Malheureusement, non. Le peu qui était là, qui m'ont transmis déjà l'amour du village. Il faut avoir l'amour du village pour s'occuper d'une association comme ça. Et puis voilà, quoi. Pierrette peut rendre grâce à la Madone de voir les générations se succéder sans que tarisse la source de vie qui unit un village autour de ses croyances et de son sanctuaire. Ah.